On sait peu de choses sur cette espèce. On la rencontre très rarement parce qu'elle vit en haute mer. On pense que les squalolets évoluent à quelques centaines de mètres de profondeur pendant la journée et qu'ils remontent à la surface à la nuit tombée. À ce stade, ce sont surtout des suppositions fondées sur les quelques témoignages qu'on a pu rassembler. Cette vidéo prise à Hawaï pourrait constituer l'unique trace d'un squalolet féroce en liberté. En revanche, l'espèce a laissé des traces dans les océans du monde entier. La plupart des prédateurs préfèrent s'attaquer à des proies plus petites qu'eux. C'est une loi de la nature presque universelle. En revanche, le squalolet n'hésite pas à s'en prendre à des animaux beaucoup plus gros que lui. C'est une technique de chasse très atypique pour un requin. Le squalolet possède la plus grande rangée de dents de toutes les espèces de requins. Sa mâchoire redoutable laisse une plaie parfaitement circulaire sur ses victimes. C'est souvent la seule trace de son passage. On a observé de telles morsures sur une grande variété d'animaux pélagiques, que ce soit des orques, de grands requins blancs, des espadons, des thons, ou même des sous-marins ou du matériel océanographique. C'est une espèce que rien ne semble rebuter. La question qui se pose pour les scientifiques, c'est de comprendre sa technique d'attaque. En partenariat avec des spécialistes du Musée d'histoire naturelle de Floride, les biologistes placent l'un des rares spécimens préservés de squalolet féroce dans un scanner ultramoderne. Peu à peu, les rayons X dévoilent les secrets du minuscule requin. Oh, c'est hallucinant. Cet animal est une véritable œuvre d'art. On voit bien comment s'articulent les différentes couches de cartilage et de muscles. Prenez la mâchoire, par exemple. Toutes les dents sont reliées entre elles pour former une rangée unique, ce qui n'est pas le cas chez les autres requins. On remarque aussi qu'il a de grandes lèvres charnues et aussi une très grosse langue, à laquelle sont attachés des muscles puissants, bien plus gros que chez les autres requins.